Chers amis, Bethel, c'était une place spéciale. C'était une place spéciale parce que lorsque Jacob tape sorti Beersheba pour aller à Charan, il était arrivé dans ce lieu ça qui était le Bethel et il était où la gloire de Dieu. Là, il voit la gloire de Dieu, il voit le ciel là qui fan. Et puis il voit des anges qui montent et descendent et bien sous une échelle. Et puis il était où bon Dieu qui campait dans pointe échelle là et puis qui dit m'a béni du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il te dit qu'on ça on pas jamais quitter tout côté où aller ou gain pour béni. Dans même Bethel ça 20 ans plus tard alors que Jacob a sorti Babylone, eh bien l'y joigne avec l'ange de l'Éternel côté le gourmet avec ange pendant toute une nuit. Eh bien non t'es changé, eh bien de Jacob en Israël à Bethel. À Bethel, Jacob expérimenté quatre bénédictions. Premièrement, lui ouait la gloire de Dieu. Bon Dieu manifesté en personne. Deuxièmement, lui ouait des anges qui montent et descendent. Troisièmement, lui joue une promesse de prospérité de la part de Dieu. Et quatrièmement, la destinée de sa vie a été changée. Toute sa vie a été transformée à Bethel, côté le passé de Jacob, supplanteur, à Israël, l'homme de Dieu. Ça qui fait Bethel, t'es important comme ça. Ça qui fait Bethel, t'es spécial comme ça. Au point où la gloire de Dieu t'est manifestée à Bethel. Au point où les anges de Dieu t'ont monté et descendu à Bethel. Au point où les promesses de Dieu sont activées à Bethel. Au point où, bon Dieu, t'a transformé la vie Jacob à Bethel. Ça qui t'est fait spécial comme ça. Eh bien, Bethel, c'était lieu côté Abraham. T'es bâti un autel à l'Éternel. Et puis, il te qu'on offrit sacrifice pour invoquer le nom de l'Éternel. Parce que Abraham, t'es qu'on offrit des sacrifices à Bethel. 200 ans plus tard, le petit monsieur a passé dans zone nan, la gloire de Dieu manifestée, les anges de Dieu a fréquenté zone nan, les promesses de Dieu activées et bon Dieu transformé sa destinée. Parce que Abraham, offrir sacrifice dans place à Bethel. Eh bien, chers amis, l'on offrit sacrifice à bon Dieu. Même ça, bon Dieu t'est fait pour Abraham, non. C'est lui-même qui fait pour vous. Il fait gloire, il manifeste dans la vie. Il permet que ange bon Dieu accompagne au tout côté où aller. Eh bien, il permet que bénédiction gagne dans la vie ou activer et finalement, il transforme destinée. Eh bien, c'est raison ça qui fait m'inviter à ça dans 40 jours ça. Eh bien, pour terminer 40 jours avec un sacrifice, ben, on va terminer avec une offrande sacrificielle dans la présence de Dieu. On va présenter une offrande de Salomon. Qui ça une offrande de Salomon? Eh bien, une offrande de Salomon. Lorsque Salomon a présenté l'offrande à l'Éternel, la loi t'a demandé pour te présenter un seul taureau. Mais au lieu de présenter un seul taureau, il présentait 1000 taureaux à l'Éternel. En d'autres termes, il te présentait un sacrifice extravagant à l'Éternel. Et puisque il te présentait un sacrifice extravagant, le bon Dieu a béni, il bénit avec connaissance extravagante. Lorsque l'a béni, il bénit avec richesse extravagante. Le bon Dieu a béni, le bon Dieu bénit avec pouvoir extravagant. Parce que il te présentait un sacrifice extravagant, l'Éternel te bal bénédiction extravagante. Eh bien, m'a encouragé, ou même cap gardé, ou même cap tendé, à Nessa, pour terminer 40 jours avec un sacrifice, pour présenter une offrande de Salomon à l'Éternel. Une offrande de Salomon, c'est une offrande de 1000 dollars. Ou mettez à pas, même Jean-Salomon te offre 1000 taureaux, vous présentez 1000 dollars dans la présence de Dieu. Et m'a demandé, bon Dieu, même Jean t'ai agi pour Abraham, même Jean t'ai agi pour Jacob, même Jean t'ai agi pour Salomon, pour bon Dieu agir pour vous, pour transformer Caillou en Bethel, côté la gloire de Dieu a manifesté, côté les anges de Dieu a visité, côté promesse bon Dieu activée et côté la vie où l'endemain a transformé à jamais. Donc, mais qui ça va faire? Depuis Kounia, on va commencer à préparer pour offrande de Salomon. Si vous pouvez prendre enveloppe, on va prendre enveloppe de façon digitale. L'on clique troisième lien en bas page YouTube nous. Ou même, eh bien, qui prend enveloppe déjà,
eh bien, présenter sacrifice aussitôt que possible. Le Abraham t'a présenté sacrifice lui, la Bible dit il se leva de bon matin. Le Jacob t'a présenté sacrifice lui à Bethel, il se leva de bon matin. Donc, ou même qui vient offrande de Salomon, lever bonheur, marcher bonheur et puis présenter la l'Éternel. Comment on va faire ça? Il y a trois façons capables de faire ça. Ou qu'à aller en bas page YouTube là et puis cliquer troisième lien. Allez en bas page YouTube là, cliquez troisième lien pour te marquer offrande et puis présenter offrande de Salomon à l'Éternel. Ou bien ou capable de faire sous application Shekinah, cliquez bouton cœur là et puis sélectionnez offrande de Salomon et puis présenter à l'Éternel. Ou bien sous préféré, relez par téléphone, relez 786-505-1580. 786-505-1580 et puis présenter eh bien offrande où à l'Éternel. Ou capable présenter offrande de Salomon entre jeudi à 31 juillet, mais le 31 juillet, n'a présenté toute offrande de Salomon ça à l'Éternel et puis n'a prié sous yo et n'a demandé bon Dieu même Jean Jacob t'es ouais gloire li à Bethel que ou capable ouais gloire bon Dieu dans tout aspect dans la vie. Donc fais ça kounya. Allez dans 786-505-1580, relais numéro de téléphone ça, 786-505-1580, ou bien allez dans l'application Shekinah, cliquez bouton cœur, ou bien allez dans, eh bien, deuxième lien en bas page YouTube là, et puis présentez offrande de Salomon à l'Éternel. N'a pas recevoir tout, n'a pas rempli enveloppe pour vous, et puis le 31 juillet, n'a pas prié sous vous que la gloire de Dieu manifeste dans la vie. Bon Dieu béni vous. Bon 40 en Jésus-Christ.